Catherine, vous êtes engagée dans la 2MCL, vous êtes la marraine de la 2MCL et vous parlez de la maladie, vous dites pour que les gens se sentent moins seuls. Ça, c'est vraiment votre message. Vous avez récemment sorti un livre à deux voix avec Thomas pour raconter votre histoire de couple à travers la maladie à corps de Lévy. Alors Catherine, d'abord, comment allez-vous ? Comment je vais ? Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Et ceux qui souffrent de cette maladie s'en souffrent tous les jours. Donc voilà, en ce moment, là, à peine une minute, peut-être le champ va changer. C'est un peu comme le ciel, voyez-vous. C'est... Merci Catherine. On reviendra vers vous plus tard. Michel, je ne sais pas où se trouve Michel dans la salle. C'est vrai que ce n'était pas tout à fait prévu comme ça. Alors Michel, j'ai pris, parce qu'on s'est connus vraiment hier, on a discuté ensemble. Vous faites partie des malades plutôt jeunes. Cela a commencé par une dépression et des douleurs dans tout le corps, des années d'errance quand même, avant que le professeur Frédéric Blanc vous diagnostique la maladie, que vous avez vécu finalement comme un soulagement. Comment vit-on la maladie lorsqu'on a 61 ans, et c'est vous qui le dites, vous avez l'âge qu'ont les enfants d'un certain nombre de malades. Je vis très bien ma maladie, du moment qu'on l'accepte, on la vit beaucoup mieux. Et moi, je me suis dit, soit quand on m'a diagnostiqué, soit je l'accepte, ou soit je me flingue. Et donc, je me suis dit, je l'accepte, et j'en fais mon amie, même si des fois, elle est mon ennemi. Et donc, chaque jour, je me dis, merci, que je sois encore comme je suis aujourd'hui. Et je pense jamais à ce qui va m'arriver demain. Pour éviter un stress, je ne regarde pas Internet. Et même s'il y a des jours où ça va un peu moins bien, je me dis, secoue-toi, il y a des gens qui sont moins bien que toi. Et voilà, et ma maladie, je la vis très bien. Vous pensez que j'aime beaucoup la vie et donc je vis très bien ma maladie. Ok, d'accord, parce qu'hier on devait les garder, c'est pour ça. Alors je l'enlève. Donc la maladie, je la vis très bien. Et vous pensez que à partir du moment où on accepte sa maladie, on la vit forcément mieux ? C'est votre message en tout cas. Oui, parce que du moment que j'ai su ce que j'avais, je me suis dit, maintenant je sais que j'ai la maladie à corps de Lévy, je sais que c'est une maladie évolutive et incurable. Mais je ne sais pas combien d'années j'ai devant moi, donc il faut que je profite de la vie. Donc c'est ce que je fais, je profite tous les jours de la vie parce que je ne sais pas quel sera mon lendemain. Est-ce que vous avez des astuces pour surmonter vos symptômes ? Parce que hier, il me semblait que vous parliez justement, vous aviez des petits conseils à donner aux autres malades. Oui, je triche souvent, je dis même si ça ne va pas bien, je dis toujours que ça va. Et comme ça, personne ne me demande si ça va ou si ça ne va pas. Et je ne partage jamais mes petits bobos avec les autres. Je les garde pour moi. Même professeur Blanc pourra dire que même j'ai triché un peu avec lui de temps en temps. Mm-hmm. Et que ma fille lui disait, c'est pas vrai, ma mère a ça et ça. Parce que pendant un long moment, je n'ai pas voulu accepter ma maladie et j'ai voulu la cacher... surtout au niveau de mes collègues. Et voilà. Vous arriviez à faire semblant ? Oui, mais en prenant sur moi, en m'épuisant, et jusqu'au moment où le professeur Blanc m'a dit « Stop, il faut arrêter de travailler ». Et puis à ce moment-là, je me suis dit « Bon, et je l'ai accepté ». Donc il y a eu un lâcher prise. Voilà. Et maintenant, je l'accepte très bien. Parce que je trouve que j'ai une chance inouïe, c'est que
quand même, ça fait 8 ans que je suis diagnostiquée, ça fait 8 ans que j'ai cette maladie, et je trouve que mon état ne s'empire pas très vite, donc je suis contente. Plutôt comme stable. Je suis positive, je pense du fait d'être positive dans la vie, ça permet d'avancer beaucoup mieux dans la maladie. Eh ben merci Michel, en tout cas, pour ce témoignage qui donne de la force à tous les malades. Et... Ben je voudrais donner toute ma force à tous ceux qui se battent contre cette maladie et dire que ben, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Justement, on a Patrick aussi avec nous, qui est aussi un jeune malade, parce que c'est une maladie qui l'a touché à 57 ans. À 50 ans. Il a 57 ans. Vous avez 57 ans aujourd'hui, Patrick. Cela a commencé par des raideurs, des tremblements. Vous avez d'abord été diagnostiqué Parkinson, je crois. Et c'est le docteur Grimaldi de la Timone qui vous a diagnostiqué maladie à corps de Lévy. D'ailleurs, à l'époque, vous aviez beaucoup d'hallucinations. Et je crois que le Léponex vous a fait énormément de bien. Avez-vous encore des hallucinations aujourd'hui? Est-ce qu'elles se sont atténuées? Est-ce qu'elles ont disparu? J'en ai eu au début, les premiers 6 mois. Et maintenant, c'est passé. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va mieux. De temps en temps, il y a un petit bonhomme noir dans le dos, mais c'est pas... C'est rien du tout. Vous voyez quoi? Non, je plaisante. Non, mais c'est toujours intéressant aussi. Il y a un petit point noir derrière moi, mais... Ah, vous ne le voyez plus. Il a disparu. C'est formidable. C'est formidable. Et d'après vous, Patrick, comment vos proches vivent votre maladie? Parce que votre femme aussi est quand même jeune. Vous êtes un couple, un couple jeune. On a 3 ans d'écart, ouais. Vous avez, je crois, 2 enfants. 2 enfants de 19 ans et 24 qui travaillent maintenant. Hein. Mettez bien le micro devant vous. Ah, oui. Ton micro, là. Non, pas le masque. Il y en a un, il est étudiant à Aix-en-Provence, et l'autre, il travaille dans l'informatique. Très bien. Donc, vous avez bien fait le job, quoi. Voilà. Et puis, sinon. Et comment ils vivent la maladie, d'après vous? Vous en parlez ensemble? Les enfants entre eux? Avec les enfants. Par rapport à votre maladie? Il n'y a pas une discussion vraiment. C'est pas de discussion. À la limite, c'est naturel presque. D'accord. Ça ils vous ont accepté tel que vous êtes. Oui. On avait d'ailleurs un message de Léonard qui a 69 ans qui nous racontait vraiment ce qu'il voyait. Et il disait c'est très important si vous avez la maladie à corps de Lévy, vous devez témoigner, on doit savoir, les autres doivent savoir. Comment ça se passe et vous devez aussi devenir la personne que vous êtes maintenant. Donc vous confirmez que à la maison on vous accepte tel que vous êtes aujourd'hui, avec parfois des handicaps. Vous en avez au quotidien. Il y a des choses qui vous pèsent plus que d'autres. L'anxiété, et le stress. Et le stress. Et puis après. Je fais des séances de kiné, je fais beaucoup de sport en fait. Beaucoup de sport? Oui. Quel type de sport? Ben, je cours. Vous courez? Vous ne nous entendez pas? Bon, on ne doit pas être de bons élèves avec les micros, je crois. Mais ce n'est pas évident non plus pour Patrick. Oui. De parler avec le micro. En tout cas, merci beaucoup, Patrick. Vous avez un message à faire passer, peut-être, en tant que malade. Vous voudriez dire quelque chose, peut-être aux aidants, pour nous aider aussi à mieux vous aider en retour. Je trouve que... Bon, dites-moi quand c'est bon. Il y a des symptômes qui... Qui sont déjà embêtants. Quels sont les symptômes qui vous... Il y en a un, c'est
De temps en temps, je suis bloqué par un mouvement pour pouvoir marcher en avant. D'accord. J'ai un blocage à ce niveau-là. Donc, il faut que je compte 1, 2, 3, 4, 5 et hop, je déclenche. Plutôt des problèmes de motricité. Motricité, oui. D'accord. On entend toujours. Oui, on vous entend, Patrick. En tout cas, merci de vos témoignages qui sont toujours très riches.